Retournons à Berthierville, où il y a beaucoup de réactions au lendemain, donc, de la diffusion de notre reportage sur ce père de famille qui a perdu les pédales là, devant un adolescent qui avait intimidé son garçon. Alors, Yves, on apprend que son autre fils aurait lui aussi été la cible d'intimidation. Oui, et on a une nouvelle vidéo à vous présenter ce midi. Selon nos informations, ça s'est produit au printemps 2022, juste ici devant l'école secondaire de Berthierville. Et effectivement, c'est l'autre fils du père de famille qui aurait été intimidé à répétition en raison de son orientation sexuelle. Voici ce qu'on a obtenu, Michel. Hein? Tu t'as peur? J'ai pas peur pour ça. Sale pute, hein? Je t'en fasse une sale pute, moi! Alors voilà, l'adolescent qui était en première année de secondaire, Michel, qui va être impliqué dans cette bagarre parce qu'il en aurait assez de subir des mots homophobes ou justement d'être la cible de propos. Il aurait notamment traité de sale pute dans la vidéo que vous voyez à l'écran en ce moment. C'est donc dire, Michel, que les deux fils de ce père de famille auraient été victimes d'intimidation. Et pour la première fois depuis la publication de ces vidéos choc depuis hier, mais le Centre de services scolaires des Samar accepte de nous accorder une entrevue devant la caméra. Et on nous dit qu'il y a des mesures disciplinaires contre des élèves intimidateurs qui sont prévues. Et on se défend d'avoir un plan d'action parce qu'ils subissent beaucoup de critiques. Il y a des suspensions qui sont prévues, mais également là, d'autres interventions éducatives, autant pour nos élèves qui ont des grands besoins, nos élèves qui vont poser des gestes de violence que ceux qui sont victimes. J'encourage également les parents à venir à l'école, à s'informer du plan de lutte contre l'intimidation et à la violence, de connaître les étapes. Oui, il y a un autre problème là, soulevé par les élèves de cette école. Cette fois-ci, ce sont les bagarres. Voyez cette vidéo, c'est à l'extérieur de l'école, dans un parc, des bagarres comme ça. J'en reçois des vidéos depuis la matinée, Michel. Marie-Lise Mormina a interrogé des élèves ce matin. Prendre un jeune de 13 ans comme ça, puis juste... T'sais, oui, ça y a fait peur peut-être, mais en même temps... Mais il aurait pu régler ça d'une autre manière aussi. Là. Tu peux pas te faire justice toi-même quand t'as 40 quelques années, là. Il y a quand même beaucoup de violence, fait que c'est pas surprenant, mettons, là, que ça devait arriver à un moment donné, c'est sûr. Là. Je trouve que ça a été vraiment violent. Puis en plus que de l'avoir frappé, bien, kické comme ça, c'est pas le moyen de régler les choses. J'aurais pris une autre façon. Voilà pour ce dossier en direct de Berthierville, Michel. Merci beaucoup, Yves Poirier, donc à Berthierville, où la situation continue d'évoluer.